est arrivé à Mulere. L'expédition a dû remonter la rivière. J'en reviens pas. Quand j'apportais mon livre à l'école, mes professeurs me disaient que les aventures de Lady Wolverstone étaient aussi fantaisistes que celles de Pedro Páramo ou Sherlock Holmes. Elle a jamais été reconnue? Elle a pas cherché à l'être. Elle disait qu'elle écrivait des histoires pour ses petits-enfants. Mais si elles sont vraies, le monde doit le savoir. Et toi et moi, on peut le prouver. Allons-y. Mulere, nous voilà. On va commencer par le centre du village et s'en éloigner. Je suis toujours surprise par la beauté de Mulere. Prenons-en quelques photos pendant nos recherches. Des gens vivent ici depuis des milliers d'années. D'abord grâce à l'eau et à la pêche, et aujourd'hui, grâce au tourisme. Lady Sydney a dû camper sur la rive sud. Et, attends, tu vois quelque chose ? Wow.